Donc nous maintenant on va écrire à la MDPH et on va simplement les informer que, comme tu avais demandé, tu es donc transféré à Folgemont puisqu'ils sont d'accord pour te prendre. Dans le bilan, ce qui est bien aussi, voilà, ça, hein, c'est qu'ils disent que tu es actif, que tu es toujours en demande de travail. Donc ça c'est super, il faut continuer. Mmh. Tu prends des initiatives, c'est bien. Le service médico-social est un service support. Donc il est composé de plusieurs salariés, donc on est une équipe pluridisciplinaire, donc nous avons une psychiatre, un psychologue, une infirmière, on a deux ETP et demi de travailleurs sociaux, une chargée d'insertion, et cette équipe-là est chapeautée donc par une chef de service médico-social. Donc notre mission principale, c'est d'encourager donc l'autonomie des usagers et donc de leur apporter donc des appuis nécessaires concernant tout ce qui a trait aux démarches administratives, la gestion budgétaire, tout ce qui a trait à l'hébergement ou les déplacements. Donc, l'accompagnement du service médico-social s'opère donc soit de façon individualisée, donc via des entretiens individuels préparés avec l'usager, ou par le biais donc d'actions de soutien. Donc les activités de soutien que nous pouvons proposer au sein donc de l'atelier des talents et de l'annexe de Morange sont donc des activités diététiques qui ont pour but justement de bâtir un équilibre nutritionnel. Nous proposons aussi des activités de relaxation qui sont dispensées donc par une éducatrice spécialisée. Je m'installe confortablement, allongée, debout ou assis. Est-ce que tu te souviens si, par certains moments, tu as eu chaud, froid? Est-ce que tu as eu des choses comme ça qui se sont passées un petit peu, non? Je sentais moins de stress. Donc là, comment tu te sens? Ah, je me sens que c'était... pour moi, j'étais contente de venir aujourd'hui. D'accord. Et tu te sens bien? Ça va? Ouais. Et nous proposons aussi des activités de sport adaptées qui sont animées donc par un moniteur d'atelier qui est dédié pour pouvoir promouvoir ce genre de projet. Donc on met les pieds, pour ça que ça sort, ça. Vous mettrez les pieds comme ça, les pieds joints, et après on va lever la jambe gauche et après la jambe droite. Et là je te tiens. On fait de faire ça. Et la psychiatre donc, de l'établissement et la psychologue proposent aussi des groupes de parole à visée thérapeutique, à raison d'une fois par mois. Comment ça se passe? Comment vous réglez les conflits quand il y en a? Moi, mon travail, je travaille, mais les autres, c'est pas comme ça en fait. Et ça, j'aime pas trop, et du coup, je vais voir Lydie pour en parler. Voilà. Et après, ça se règle? Ouais. C'est Lydie qui fait ça, parce que. Elle marque les rapports justement en fait.